more consideration on waiving some cabinet confidence. Just, you know, put some of these talks around the emergency doc to bed. We're very keen to cooperate with Judge Rouleau, to be as transparent and forthright as needed, so that there can be scrutinizing of the Emergencies Act. As you know, we've maintained all along that it was an essential decision. It was necessary to restore public safety, and it worked. We were able to restore public safety without any significant injury, without any fatalities. But as we've always said, we need to be sure that there's transparency around this process, and we'll cooperate with Judge Rouleau. Yeah, well, what can you tell us about the discrepancy between what you said previously, saying this was done on advice from police, and then Minister Blair saying, no, the police weren't involved in this decision? Just, you know, what can you tell us about that gap there? No, we've been consistent all along. There's always been a statement that we sought the advice of law enforcement for the purposes of informing that decision, as Canadians would expect us to. We wouldn't take that decision in a vacuum. You heard Commissioner Lucky say at committee that she needed the Emergencies Act to restore public safety as quickly as possible. She also heard her say that, yes, the government did approach law enforcement and consulted on powers, and yes, the government did consult law enforcement prior to revoking the act. We always said that when we invoked the act, that we did it reluctantly, and that when we revoked it, we did it with great enthusiasm, because we only wanted to use it for as long as necessary. Yeah. And of course, we have lots of Freedom Convoy folk coming back to Ottawa for the Canada Day long weekend. James Topp's going to have events here starting on June 30th, and there lots of them are saying they're planning on sticking around through the Labor Day weekend. Just what's your ministry watching as they all start to come back here and seem to be, you know, more organized and mobilized? Well, it's obviously an issue that is being watched very, very carefully, and, you know, people are always invited to celebrate Canada Day, but we don't want anybody breaking the law, and we certainly don't want a rehash of what we saw last winter, which was, in the words of law enforcement, an unprecedented act of civil disobedience, which is why we took the extraordinary decision to invoke the Emergencies Act, and it worked. And happy to continue to collaborate with the review exercises, which are in course. Thanks very much. Merci. Absolutely. Happy to talk about Bill C-21. Yeah. Thank you very much. On Bill C-21, I'd say a couple things. First, this past weekend, we saw another spate of shootings in a variety of communities across the country, which underlines just how urgent the matter is, which is why I'm calling on Conservatives to stop with the delay and the filibustering. That's not helping anybody. Let's have a debate on the merits of this bill, which, by the way, is gaining steam in terms of the support that it's receiving from Canadians since our launch. Why? Because I think Canadians understand that we have to do better by those who've been impacted by gun violence, and they also see a lot of common sense behind the measures of introducing a national handgun freeze, around targeting organized criminals with higher sentences for illegal smuggling, and finally, through the introduction of red flag laws tackling the concurrent trends of intimate partner violence and gun violence. So I'm going to work, you know, 24/7 to try and find common ground. Just move on the like the handgun freeze ban right now. You did it with the OIC. You swept all of those guns under a ban, and you're letting these regulations on the freeze, just sort of... Well, we're not letting that happen, Stephanie. What we have to do is be sure that we're working with opposition parties, and I've had constructive discussions with the NDP, with the Bloc, about bringing into effect the consequences of a national handgun freeze sooner than what the current rules provide for. It's the Conservatives who are obstructing. So where there's a will, there's a way. If the Conservatives are prepared to open the door to having constructive discussions about making sure that we can implement the national handgun freeze, we'll be there. But so far, all we've seen is delay and filibustering, and that's wrong. And I would just urge them to really reconsider their tactics in the light of another weekend spate of shootings, which is just awful. But that's why I'm going to keep pressing to have this bill debated and passed as quickly as possible. Thanks very much. You said public support is growing, but what we're seeing is more and more gun sales. So what do you say to... Well, that's precisely what I just answered. You heard me say to the last question that we need to get the effect of the national handgun freeze into effect implemented as quickly as possible. And this chamber can do it. Right now, it's only the Conservatives that are standing in the way of that. Thanks. Why is hybrid parliament still needed? What do you think of this? Oh, it's a big country. It's marvelous to have the flexibility. But why? I think the case is pretty much made, isn't it? But why? There's lots of... But I mean, the argument is that MPs were elected to sit in the House of Commons, and it's not about making it easier for you guys to work from the constituency, right? It sounds an awful lot like flagellation for having the job. I mean, no, if you can be more productive for your constituents and be closer to them.
this fabulous thing. So, but what do you make of concerns that it allows folks like yourself and others to kind of duck accountability? It's not the same veracity of debate in the House of Commons when folks aren't there in the fall. Gosh, I'm here as often as I can be. I think most are. I don't think there's any getting away from that. And certainly, I think the veracity of the questions certainly happen over Zoom just as easily as they happen in person. But I mean, look, I'm a big fan where you can be in here in person. You should be here in person. I do agree with that. But to have that flexibility for so many MPs who have young kids and families, and I think it'll just increase the talent base for people who would be attracted to flying back and forth every week. In order to become a member of the House of Commons, I think we'll get even better people if we can offer some flexibility. I know as Labor Minister, I'm looking at doing that right across the board, where we can offer that sort of flexibility. Besides, we got a labor shortage right now. The more that we can make the workplace more appealing for more people, the better. But these rules were introduced in Parliament when COVID was the main reason, and now it's not about COVID, so how is that really fair? Oh my gosh, it's nothing to do with fairness. I mean, look, history's strewn with crises, and all of a sudden things that we learn or things that develop during those crises that have lasted the test of time, because they're great things. This is being able to conduct business over online, wherever you are in this big country, that is a marvelous thing. This is a great thing. We're still kind of grappling with it, and we're still trying to figure out the parameters of it. But it's a marvelous thing. Anyway, gotta go. Thank you. Minister. Mon passeport est en règle, oui, je vais être, mais c'est toujours par affaire. Ben, une bonne partie de l'été par affaire, c'est sûr, puis une partie peut-être avec la famille, mais on va être au Canada. Est-ce que vous trouvez ça acceptable de voir les files là, comme on voit au Québec devant les bureaux de passeport? Non, c'est pour ça que la ministre travaille là-dessus. C'est un enjeu pour beaucoup de familles. Hein. Les gens regardent l'été s'en vient. Ouais. Évidemment, bonne chose, il y a des gens qui ont choisi de faire leurs vacances au Canada, au Québec. Il y a le ministre du Tourisme qui est là, qui passe derrière moi, qui est content. Mais d'autre part, c'est sûr qu'il faut régler ça le plus rapidement possible parce que, évidemment, tu sais, de voir des gens qui sont obligés d'attendre durant la nuit, voire le week-end, évidemment, ça préoccupe tout le monde. C'est un enjeu auquel je sais que la ministre travaille de façon active. Comme je vous dis, d'une part, il y a de plus en plus de gens qui prennent des vacances chez nous. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. D'abord, on l'a vu durant le temps de la COVID, les gens restaient plus à la maison, mais les gens doivent aussi être capables d'obtenir un passeport là, dans des délais raisonnables. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui ne sont même pas capables de... Pour les visas aussi, il y a des gros retards. Il y a des gens qui doivent venir à des événements. Puis là, on parle, par exemple, des événements d'affaires qui sont annulés. Oui, raison. Est-ce que vous trouvez ça acceptable? Non, bien, écoutez... Puis qu'est-ce que vous faites, là? Bien, écoute, la collègue, certainement, qui est ministre responsable de Service Canada, a ajouté des effectifs. La réponse, c'est qu'il faut en faire plus. Votre question est tout à fait justifiée. Les gens qui nous regardent à la maison, les gens qui nous écoutent, disent « mais nous, il faut que ça aille plus vite ». C'est clair, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on engage des gens, on est en train de revoir le processus. D'autre part, pour les événements internationaux, vous avez raison, j'étais en fin de semaine au Grand Prix, les gens me disaient « il y a d'autres sommets qui s'en viennent à Montréal ». Il faut s'assurer d'avoir de l'intégrité, mais aussi de la fluidité dans le processus pour être sûr que ces gens-là qui veulent venir chez nous puissent venir chez nous durant ces grands événements-là pendant l'été. Donc, ça va être réglé quand? Ça va être réglé quand? Bien, écoutez, la demande est en hausse. Alors, comme ministre de l'Industrie, vous comprendrez que c'est une bonne nouvelle. Quand je vois que les gens veulent venir chez nous, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, il faut avoir les systèmes en place pour être capable de gérer cette demande-là et d'accueillir les gens qui veulent venir chez nous là, pendant l'été. Donc, quel échéancier vous donnez? Est-ce que dans un mois, c'est sûr que le ministre de l'Immigration est très au fait des choses. Je lui ai signifié les grands événements, il est au courant des grands événements qui s'en viennent. La réponse, c'est qu'il faut que ça soit plus fluide, il faut que ça soit plus rapide, puis il faut s'adapter à la nouvelle réalité que les gens veulent voyager. Merci. À tantôt, tout le monde. First time you've been here in person in a while. You know what? Yeah, we've been working from home, but mixed feelings about being back, I tell you. What do you mean? Does that mean you could come back, or what's brought you back in person today? I just love being here. Mixed feelings. Why mixed feelings about coming back? Like, well, should have done a long time ago. Yeah, it's when, like for me, it was depressing, and I found that it was really difficult when a prime minister makes a decision that affects millions of Canadians, and it would have been nice if they actually looked at the science and kind of treated Canadians instead of in a divisive way, to do what we can do to bring people together. And I think that's what we need to do going forward from today. So I'm hoping it's a new step forward, and we'll see how it goes. When was the last time you were there? It's been a while. You can look it up. Are you willing to disclose your vaccination status? Well, you know what? I was very clear during the election, but no, you won't be offended. But I've read the article in the Toronto Star.
back in September about a very divisive piece. And even the Bell Media, what was it, the Snyder Show? Very divisive. And I don't think we need those type of politics. And I think we need to look at, respect people's decisions and points of view. And hopefully Canadians can move forward. Have a great day. I was just talking to a Liberal government minister who said, you know, the reason we need hybrid parliament is it allows flexibility for new moms, new parents. What do you make of that argument? Your party is against it for parliament. But is there an argument to be made that for parents with young kids, new kids, it does make things a little bit easier? You know what? I think my record is pretty clear. We've been here. My husband and I travel back and forth to Northern Alberta on a very regular basis with our infant. My husband's out for a walk with the little guy as we speak. I think that the idea of having virtual parliament really does take things down. We've had so many instances of abuse of virtual parliament, whether it be in the last parliament with Will Amos, not treating it with the dignity it respects. We've also had that same issue here in this parliament where someone was caught in the washroom. I really do think that it is time to bring MPs back to be working in person. This is not necessarily the job if you are looking for a work-life balance. What do you think of Michelle Rempel potentially running for leadership in your province in the Conservative Party? Would you support her? You know what? I look forward to having a lot of strong candidates in that leadership race, and that should be getting underway here quickly. Do you have a favorite or a personal favorite so far? Yeah, I do. Thank you. Sorry, I've come out and I've already endorsed Rebecca Schultz. Okay, thank you. Thanks. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes à l'aise de commenter le dossier? J'ai pas beaucoup d'informations sur le dossier. Je sais que c'est 4,9 milliards, ouais, si j'ai cru comprendre. Exactement. Mais c'est parce que c'est 4,9 milliards, mais on ne sait pas quand l'argent va être quand l'argent va être déployé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment vous pensez? Bon, écoutez, si la ministre a pris le temps d'annoncer aujourd'hui 4,9 milliards de dollars pour le NORAD, mais qu'elle n'a pas donné les détails, encore une fois, on peut penser que le gouvernement procède à des annonces sans avoir vraiment attaché tous les fils, un peu comme la ministre des Finances la semaine dernière, qui, à Toronto, a annoncé un plan avec absolument rien de nouveau, puis aucun plan pour faire face à la crise de l'inflation. Donc, c'est un pattern qui se reproduit encore chez les libéraux. On fait des grandes annonces avec bien peu de plans précis, concrets, qui vont nous dire qu'est-ce qui va arriver. Les passeports. Ce matin encore, quand on a ouvert les portes à Laval, ça a pété. Les gens de sécurité ont dû intervenir parce que les gens veulent rentrer en même temps. La police intervient régulièrement dans les centres de services Canada. Est-ce que le gouvernement peut en faire plus réellement que d'annoncer, avoir engagé des nouveaux employés, d'annoncer un autre 600? D'un côté, le gouvernement dit qu'il engage 900 nouvelles personnes à Service Canada. Puis d'un autre côté, dans le même article, on réussit à dire que c'est difficile de recruter des gens pour en faire plus. On peut même questionner, est-ce qu'on a réussi vraiment à ajouter 900 personnes à Service Canada, à voir les résultats aujourd'hui? On en doute fortement. C'est totalement inacceptable que la ministre n'avait pas prévu nulle part dans son plan de travail qu'après 2 ans de pandémie, les Canadiens voudraient voyager, qu'on n'ait pas pensé que la première échéance des passeports de 10 ans arrivait justement cette année, que les gens auraient besoin d'un nouveau passeport. C'est de l'improvisation, du chaos total à Passeport Canada, et quelqu'un doit faire quelque chose. Et ça relève de la ministre. C'est elle qui a les clés de son ministère. C'est elle qui a les clés des différents départements qui peuvent agir pour faire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous feriez-vous? Oui, mais qu'est-ce que vous feriez-vous exactement? Disons, parce que je comprends qu'il y a la partie, on aurait dû le voir venir, mais là, on est dedans. Si vous étiez au gouvernement maintenant, là, que vous arriviez, qu'est-ce que vous feriez? C'est impossible qu'on soit dans une position comme celle-là si on avait été au gouvernement, parce que le gouvernement a mis à pied. Ah, mais laissez-moi terminer, vous allez comprendre, Mme Martin. On ne se serait jamais mis dans cette situation-là parce que, premièrement, on n'aurait jamais forcé tous les employés de l'État à être vaccinés. On n'aurait pas retourné des gens travailler chez eux. Donc, on ne se serait jamais mis dans cette situation-là. On aurait rappelé les gens de Service Canada au complet au travail beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'ont fait. Donc, ça, c'est des choses précises qui auraient pu être faites, qui auraient dû être faites. Donc, si vous me demandez comment est-ce que le gouvernement conservateur ferait aujourd'hui dans une situation semblable, je vous dis, on ne se serait pas retrouvé dans une situation semblable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Vous augmenteriez les heures d'ouverture? Qu'est-ce que vous feriez?
je peux pas vous dire ce qu'on ferait, madame, parce qu'on se serait jamais... On n'aurait même jamais envisagé d'être dans une situation comme celle-là. Est-ce que vous vous inquiétez pour les visas aussi? Parce qu'on entend, là, j'ai des collègues à Montréal qui me disent que pour les visas aussi, ça semble être compliqué, là, qu'il y a des... bon, c'est peut-être plus... qu'il semble y avoir des retards aussi. On s'inquiète sur absolument tout ce que touche le gouvernement actuellement. Tout ce que touche le gouvernement actuellement est chaotique. C'est incroyable. Les passeports, l'immigration, les attentes, les visas... C'est incroyable le niveau des compétences qu'a atteint ce gouvernement-là. Les services de base aux citoyens, il n'y en a pas un qui peut être délivré dans les temps requis. Et pendant ce temps-là, on s'obstine à maintenir en place le fait que les gens peuvent travailler de chez eux. On prétend qu'on est capable de fonctionner comme ça, alors que tout démontre que ça ne marche pas. Mais pourtant, on s'obstine et on continue. Merci, M. Berton. Pas de problème. À bientôt. On passe encore des heures et des heures et des heures et des heures, et je pourrais continuer longtemps d'attendre pour obtenir un passeport au Canada? Ah, c'est complètement inacceptable et c'est honteux. Comment ça se fait que le gouvernement fédéral, comment ça se fait que les libéraux ne sont pas capables d'offrir un service de base comme ça aux citoyens et aux citoyennes? Les gens appellent dans nos bureaux, là, 20-25 appels par jour. Les gens sont désespérés, sont angoissés, sont frustrés, on reçoit leur colère. J'ai dû réaménager les employés de mon bureau pour se consacrer à ça. Ça augmente, c'est pire à chaque semaine. Pouvez-vous les aider vraiment? C'est pratiquement de l'écoute active. On peut leur dire « déplacez-vous, allez-y, continuez d'appeler, sortez votre chaise pliante et puis votre sleeping bag », mais c'est un peu désespérant. On n'a pas d'imprimante à passeport dans nos bureaux, là. On va essayer de les donner les conseils qu'on peut, mais ils appellent, ils ne sont pas capables de parler à personne et puis les heures sont interminables. Il y a des cas, là, il y a une dame, elle a envoyé au mois de mars sa demande. Elle n'a toujours pas été traitée. Sauf que là, elle ne peut même pas se rendre au bureau parce que ses papiers officiels était dans la demande envoyée par la poste, à quelque part dans un bureau. Alors, on comprend, les gens sont en colère, là. On entend aussi que c'est compliqué pour les visas aussi. Donc, ça, c'est plus du ministère de l'Immigration, ouais. Mais les gens qui veulent venir participer, par exemple, à des conférences, des événements qui sont organisés, par exemple, à Montréal, oui, cet été, que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai une association d'avocats progressistes qui m'a contacté. Ils ont de la difficulté à avoir un visa pour quelqu'un pour venir faire une conférence. Il y a plusieurs départements du ministère en ce moment qui sont dysfonctionnels depuis des mois, depuis des années. Immigration, les passeports, Service Canada, Assurance-Emploi, on a des cas horribles également. Il faut qu'ils soient capables de mettre les ressources pour que la machine fonctionne. Donc, concrètement, là, si vous étiez au gouvernement, vous, en ce moment-là, je comprends que vous m'auriez dit « Ah, on ne l'aurait pas laissé traîner », mais là, disons que vous arrivez au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour régler ça? Pratico-pratique. Si on avait été au pouvoir, on aurait mieux planifié. Je sais. Mais là... Tu m'as dit que j'allais le dire. Bon, je l'ai dit. C'est vous tirer les heures davantage. Oui. Je pense qu'il faut être capable de... aller chercher, aller puiser dans la fonction publique fédérale des ressources humaines supplémentaires pour les mettre là où il y a des crises en ce moment. Je comprends qu'il y a des besoins de formation, mais ça ne demande pas non plus un doctorat pour être capable de faire une vérification de passeport. Je pense qu'il faut être capable de mettre les ressources là où on en a besoin en ce moment pour régler les crises puis régler les besoins des gens en ce moment. C'est ça qu'on ferait si la NPD on était gouvernement. Est-ce qu'il faut ramener plus de gens au bureau? C'est ça que les conservateurs disent. Il n'y a pas assez de monde dans les bureaux. Est-ce que vous en pensez? Écoutez, si les gens ont tous les outils pour bien travailler à la maison, puis une bonne supervision sur la quantité de travail qui est fait, c'est pas une question d'être à la maison ou au bureau nécessairement, selon moi. Je pense que c'est plus une question de priorité et de ressources humaines. Peut-être qu'il faut engager des gens aussi, peut-être plus que les 900 que Karina Gould a dit. Sur 10 provinces, 900 personnes, là, c'est 90 personnes au Québec, c'est pas grand-chose. Rapidement sur la session parlementaire, est-ce que ça a été une belle session, la session de l'Alliance NPD libérale, là, ça a été productif? Bien, je pense que ça a été un point marquant de la session. Je pense qu'on a essayé d'écouter les électeurs, les électrices, faire fonctionner le Parlement. Puis ça nous a permis, nous, au NPD, de mettre de l'avant des choses de notre plateforme, comme les soins dentaires pour les personnes les plus démunies, pour la classe moyenne, l'aide au logement, une nouvelle définition de logement abordable. C'est pas parfait. Il y a un paquet de choses. La crise climatique, ils n'en font pas assez. L'environnement, ils n'en font pas assez. Mais je pense que ça nous a permis d'être pertinents puis d'aller montrer qu'on était capable d'aller chercher des choses pour les gens concrètement. Il n'y a pas de projet de loi là-dessus. Là, dans ce qui a été dans le projet de loi, là, on en a fait assez. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Par exemple, on va aller voter sur C11 tantôt. Puis je pense que pour nous, c'était prioritaire pour le monde de la culture, pour nos créateurs au Québec puis partout au Canada. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites, mais il y a des choses où les libéraux se traînent les pieds. Là. OK. Juste une dernière question sur Hockey Canada. Parce que j'ai quand même la première question. Oui, vous attendez par rapport à Hockey Canada, au témoignage des représentants. Est-ce que vous avez des attentes particulières, le témoignage de la ministre aussi? J'espère tout simplement qu'ils vont faire preuve de transparence. Et on veut aussi vérifier est-ce qu'il y a de l'argent public qui a servi pour l'entente. Merci.
Bonjour. On est contente avec l'annonce du gouvernement qu'il veut proposer que le Parlement hybride continue pour la période d'un an, en même temps qu'on a une étude à partir du Comité des procédures et affaires de la Chambre. Parce qu'on trouve que c'est une bonne mesure qui accomplit plusieurs choses. D'abord, on sait cette semaine, le premier ministre du COVID, plusieurs ministres du COVID, tragiquement, on a perdu 150 Canadiens dans les dernières semaines face au COVID. Et en même temps, on voit dans le Grand Sud, dans le Sud global, qu'il y a des nouvelles variantes qui sont une cause de préoccupation. Qu'effectivement, on regarde ça, puis on dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à l'automne. On espère bien que tout va bien aller, mais on sait aussi qu'effectivement, on peut avoir des nouvelles variantes. Alors, planifier ça à l'avance, d'avoir le Parlement hybride en place, plutôt qu'à dernière minute, comme on a fait le 13 mars 2020, d'essayer de réagir à la situation, ça, à mon avis, relève du gros bon sens. Alors, on appuie ça. On appuie aussi parce que c'est important que les concitoyens, peu importe où ils se trouvent au Canada, ne soient pas privés de leur vote et leur voix en Chambre. Si s'il n'y avait pas le Parlement hybride puis un député tombe malade, leur voix est perdue. Si on n'a pas le Parlement hybride, ils ne pourraient pas participer dans les débats ni à voter. Alors, l'idée est qu'on conserve pour toutes les Canadiennes et les Canadiens la capacité d'avoir leurs députés intervenir, même s'ils sont malades, même s'ils sont dans un comté, leur comté, à cause des raisons sérieuses, des dossiers dont il faut s'occuper. Ça relève du gros bon sens que cette vote et cette voix n'est pas perdue. Pour toutes ces raisons-là, on va appuyer la motion qui est déposée par le gouvernement aujourd'hui. So I just wanted to say, as NDP House Leader, that we support the motion that will be tabled today by the government House Leader in prolonging the hybrid Parliament for a year and giving the opportunity for procedure and House Affairs Committee really to look into the issues around the hybrid Parliament and how best to move forward with our parliamentary institutions for the years to come. And we support this for a number of reasons. First off, we know that COVID is still present. The Prime Minister has COVID. Ministers have COVID. Tragically, 150 Canadians died last week due to COVID. And so COVID is still a present reality in Canada. Secondly, we're seeing in the Global South the emergence of new variants. We do not know to what extent that will have an influence in Canada in the fall, but certainly over the last 2 years, we've seen the development of new variants in the Global South in their wintertime. And have an impact in Canada in our wintertime. And so we have to be cautious about that. As well, the reality is that currently, with the hybrid system, Canadians are not losing their vote and they're not losing their voice in Parliament. With the hybrid Parliament, even if a member of Parliament falls sick, their voice is still present. The voices of their constituents is still found in Parliament because the hybrid model allows for their full participation. The vote of those constituents isn't lost either because they are able to vote through the virtual protected hybrid voting system. And so the idea that we would go back to just being a Parliament where you have to be present in the House and obviously can't be if you catch COVID or if for another reason you are urgently required in your constituency. The idea that you would lose, for all those constituents, their voice and their vote does not make sense. And so this is a common sense measure that allows us to work through the fall in the same way we have with many members of Parliament participating in person, but some members of Parliament, whether due to urgent business back in the riding, or family reasons, or sickness, being able to still participate virtually and not a single Canadian's voice lost or vote lost as a result. For all those reasons, we'll be supporting the motion, and we'll be supporting and voting for that motion this week. So on that, if there are any questions, I'd be pleased to answer. Il y a des préoccupations dans les autres partis, là, entre autres les conservateurs, sur la reddition de comptes, de prolonger d'un an comme ça. Ils disent c'est de permettre aux libéraux d'avoir un Parlement à une façon qui les convient. Qu'est-ce qui vous rassure, vous, dans ce qui est proposé de la proposition des libéraux?
Mais là, la réalité, c'est que les ministres vont être obligés d'être présents en chambre pour répondre aux questions. La réalité, c'est que pour l'NPD, on a poussé beaucoup ce gouvernement dans plusieurs aspects. On a trouvé que le fait que le gouvernement soit redevable à la population canadienne, pour moi, c'est évident. Je ne comprends pas comment les conservateurs pourraient dire qu'on est plus redevable s'il y a beaucoup de députés qui ne peuvent pas participer, pas du tout, soit parce qu'ils sont malades ou soit parce qu'ils ont des affaires urgentes dans leur comté. Ça rend moins de députés présents pour cette redevance qui est si importante. Alors, à mon avis, ce n'est pas un argument qui tient, c'est un argument qui est faux. Et pour nous, on va continuer à pousser le gouvernement de faire qu'est-ce qu'il devrait faire et de pousser le gouvernement sur les dossiers importants. Une chose importante, c'est que depuis plusieurs mois, les conservateurs sont en chaos à l'intérieur. On a vu des filibusters, on a vu des choses qui ne sont pas très sensibles quand il s'agit de comment on devrait se comporter et travailler en tant que parlementaire. Et cet argument-là qu'il pousse, ce n'est pas un argument qui est fort, surtout quand on regarde les actions des conservateurs depuis des mois qui n'ont pas été pour augmenter le redevance ou pousser le gouvernement. C'était juste des compétitions à l'intérieur du Parti conservateur qui, à mon avis, n'a pas aidé le développement de la vie démocratique et l'importance de redevance du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Ça fait déjà des mois que le Parlement fonctionne de façon hybride. Pourquoi ça prend un an pour permettre au comité de faire l'analyse de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit garder? Est-ce qu'un an, c'est pas un peu beaucoup? Non, moi je pense parce qu'il faut se préparer pour l'ensemble des choses qui s'en viennent. Et on ne sait pas s'il va y avoir des variantes. Ça, tout en partant, c'est nécessaire. Maintenant, l'idée que ça prend un an, on donne un an pour procédure et affaires de la Chambre, de statuer là-dessus et en faire rapport, ça peut être moins. Mais si on parle de le prochain élan de notre Parlement national, l'idée que là, les décisions ou les recommandations que procédure et affaires de la Chambre vont être pour les années à venir, il me semble de prendre le temps d'entendre l'ensemble de la population, des experts, toutes les gens que procédure et affaires de la Chambre vont vouloir consulter. C'est important pour établir cette base-là, la fondation. Ils vont nous faire rapport au Parlement et par la suite des choses, on va décider les prochaines étapes. Mais c'est important. Notre Parlement a duré plus que 150 ans. On veut que ça dure encore des centaines d'années. Alors, les décisions, les recommandations qui viennent des procédures et affaires de la Chambre pourraient avoir des impacts pour les années à venir. Il me semble de prendre un an, ou jusqu'à un an, parce que ça peut être moins. C'est important pour que les recommandations qu'ils font, en espérant que ça va être par consensus, vont être des recommandations qui tiennent fort et qu'on mette en place. Sur un autre sujet, cet après-midi, on va entendre des représentants de Hockey Canada. Vous êtes sur le comité du patrimoine. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir éclaircir avec les témoins qu'on va entendre cet après-midi? C'est une très bonne question. Puis, on avait un consensus autour de la table au comité de patrimoine canadien pour avoir ces séances-là. On va poser des questions sur comment les actions qu'ils ont prises pour que ça arrive jamais plus, ce genre d'agression terrible, horrifique. On veut savoir comment Hockey Canada a réagi, qu'est-ce que Hockey Canada a fait pour que ça arrive jamais plus, et s'il y avait des fonds publics utilisés aussi pour les négociations qui a été faite autour de ce cas horrible. Il ne faut jamais plus que ça arrive. Je pense que toutes les Canadiennes et les Canadiens s'entendent là-dessus. Puis on va justement demander à Hockey Canada et la Fondation d'Hockey Canada, mais aussi au ministre, de voir c'est quoi les étapes qu'ils mettent en place pour que ça arrive jamais plus. So for Hockey Canada today,
we will be asking Hockey Canada executives, as well the chair of the Hockey Canada Foundation and the Minister of Sport as well, to find out what steps they took when this horrific case of sexual violence was brought to their attention. What were the steps that they took? What are the steps that Hockey Canada is taking now to ensure that this never happens again, that there are no more victims? And those are the questions that we'll be asking of Hockey Canada, that we'll be asking the Hockey Canada Foundation, and also of the Minister of Sport. We Canadians have a broad consensus on this. This horrible case can never be repeated, and we want to make sure that all steps are being taken so that there are no longer any victims. Just going back to the hybrid hybrid parliament, is there not a perception issue possibly? We've got quite a cynical public who sometimes question the role of parliamentarians and what has actually been accomplished, and yet the main role we have as representative parliamentarians is to represent us in this House. And yet, is there not some responsibility to show leadership and actually be here, because that's where the work is done? Well, that was exactly my point, actually. And when I talk in my riding of New Westminster Burnaby, and when I'm at an important event, or we're seeing because of the housing crisis, me having to deal in my riding with people who are suddenly homeless, these kinds of emergencies that Canadians are living through right now. And I can give you many, many examples of emergencies that I am dealing with in my riding. When I'm there, if that means that the voice of New Westminster Burnaby citizens are lost, and the vote of the people of New Westminster Burnaby are lost, that does not advance democracy, that doesn't advance accountability, and it doesn't mean for enhanced representative democracy. And if I fall sick, as many members of parliament have in the past 2 years, to COVID, that voice is lost and that vote is lost. So the idea that we can only be in this one room, and if we're not in that one room, for regardless of the circumstance, that all of my constituents immediately lose their voice and their vote in Parliament for as long as I can't come back into that room, that strikes, it's the very contrary to having a strong representative democracy. And this has been the big success of hybrid Parliament, is that when MPs are dealing with emergency issues in their riding, they still have the voice and the vote in Parliament. Their constituents don't lose that voice and vote in Parliament. When a member of Parliament falls sick, their constituents do not lose their voice or their vote in Parliament. So this actually enhances democracy, and it is the kind of measure that the reason why other legislatures are looking at this and putting this into place is because they understand the importance of the voice and the vote is paramount. And having a hybrid Parliament extends that voice and vote to every citizen of Canada in a way that currently, or prior to COVID, we did not have. And I can tell you many stories about MPs missing flights and their constituents losing a vote, and MPs falling sick and their constituents losing a vote. The major improvement that I've seen in hybrid Parliament is that no longer happens, because we now have other techniques that are 21st century techniques that allow that voice to not be lost and that vote to not be lost. Would you agree then with less whip votes from the parties and more independent votes for members of Parliament to represent their regions? I've in all my years in Parliament, I've never been whipped. And as you know, the NDP has deep discussions. We work through issues. We always seek to improve legislation, and that's certainly what we've done in this Parliament as well. Well, thank you. Merci beaucoup. Thank you. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, première réaction par rapport au début de la semaine, c'est par rapport au passeport. On est dans une crise majeure, une crise qui s'amplifie. On pourrait imaginer que ça va s'estomper, que le gouvernement va prendre justement des mesures pour que la situation, la pression baisse. Et c'est le contraire, absolument le contraire qui se passe actuellement. C'est rendu que la police s'en mêle, que des lignes d'attente qui dépassent les 30 heures. Les gens attendent plus de 30 heures pour se faire servir. Ils se font, en dernière minute, revirer de bord par les policiers.
Alors, c'est une situation qui devient catastrophique. Les bureaux, ce qu'on me dit ce matin, les bureaux de comté des députés sont submergés encore plus que d'habitude. Des fois, avoir la ligne pour le bureau de député, ça peut aller jusqu'à 6h30 de temps d'attente pour un adjoint de député pour qu'il puisse obtenir la ligne à Service Canada. C'est le chaos total. Il y a des gens qui voudraient aller à l'étranger pour diverses raisons et se retrouvent emprisonnés au Québec, au Canada, parce qu'ils ne sont pas capables de sortir. Ça n'a aucun espèce de bon sens. On a posé des questions là-dessus. On n'a jamais de réponse claire. Les mesures ne sont jamais prises pour que, justement, on baisse la pression qui est devenue indescriptible. Alors voilà, c'est notre réflexion sur la situation des passeports actuels. Puis écoutez, je pense que là, ça devient plus critique que jamais. Ce qu'on propose depuis le début, c'est qu'on ouvre la fin de semaine, qu'on élargisse les heures de la semaine et qu'on fasse en sorte qu'on ait plus de services. La ministre a dit qu'elle a engagé plus de gens, puis on aimerait les voir en action. Puis, tu sais, il y a des torts qui ont été causés qui peuvent pas être corrigés. T'sais, on n'avait pas prévu ça, alors que c'était prévisible. Tout le monde avait prévu ça. Alors, on se retrouve dans une situation où qui est absolument atroce, et je pense que les soins qui nous entendent savent de quoi on parle, évidemment. Voilà. La proposition libérale sur la prolongation du Parlement hybride, oui. On a entendu M. Holland ce matin dire, bon, pour les questions qui seront répondues par les ministres, ce sera en personne. Il a dit qu'il y a eu un engagement en ce sens-là. Est-ce que vous, au Bloc, comment vous accueillez cette proposition-là jusqu'à présent? Bien là, nous, ce qu'on se dit, c'est que oui, il faut que... J'avais demandé justement aux leaders du gouvernement que les personnes qui ont à répondre ou à poser des questions, ça se fasse en chambre. L'idée d'avoir un Parlement hybride, on n'exclut pas ça, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on se retrouve. On va se retrouver durant l'année prochaine. Vous savez que c'est un peu imprévisible ce qui se passe avec le COVID. Donc, nous, on n'a pas exclu l'idée de donner notre accord à ça, mais sous certaines conditions, puis on veut le plus possible restreindre l'utilisation du virtuel, parce que faut pas que ça devienne une norme. C'est ça qu'on veut au Bloc québécois, là. Donc, vous attendez de voir le texte final de la motion, vous attendez avant de vous positionner? Bien là, nous, ce qu'on aurait aimé, je vais vous dire, c'est qu'on prenne cette décision-là, qu'on passe la motion à l'automne, pour une raison très simple. Le fait qu'on ait près de 3 mois de plus pour colliger les informations, pour faire en sorte qu'on puisse savoir un peu plus vers quoi on s'en va, bien, cette information supplémentaire-là ne serait pas de refus pour qu'on prenne des décisions plus saines par rapport à comment évoluer le Parlement à partir de l'automne. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de la pandémie. C'est au début de session qu'on réglait ça. Alors, je me pose la question suivante. Pourquoi on n'attend pas au début de la prochaine session parlementaire pour qu'on ait plus d'informations et qu'on prenne des décisions intelligentes? Vous étiez très éloquent sur l'enjeu des passeports en français. Merci. Est-ce qu'on pourrait vous tenter d'un petit mot là-dessus en anglais? Je vais suivre des cours d'anglais. Je vous reviens l'année prochaine là-dessus. Je vais travailler là-dessus. Très fort, je vous le dis. Juste pour clarifier, sur le Parlement hybride, donc vous dites peut-être que ce serait mieux de se pencher là-dessus à l'automne parce qu'on aura en ce moment-là plus d'informations. Okay. Tu sais, vous savez à quel point qu'on est dans une situation imprévisible, totalement imprévisible. Même les spécialistes ont de la misère à prévoir ce qui va suivre. Alors moi, je me dis, bien, pourquoi se dépêcher à adopter quelque chose maintenant, alors qu'on pourrait le faire comme on fait d'habitude au début de l'automne, du prochain Parlement, et à partir de ce moment-là, bien, qu'on ramasse 3 mois de plus d'informations pour qu'on arrive avec des décisions intéressantes, faire en sorte que le virtuel ne soit pas la norme, mais ça soit l'exception. Ça répond à une question. Merci beaucoup. Merci.